Et bonsoir à toutes et à tous, ici Sparache sur l'Esprit France pour vous servir sur Styx, Master of Shadows. Du coup, continuez. La dernière fois remonte à loin. Et d'ailleurs, je tiens à m'excuser pour la semaine dernière, mais vu comment j'étais malade, je ne pouvais pas vous streamer. Et je n'ai pas eu de remplaçant, donc veuillez m'en excuser. Salut Cine, salut Synthesi. Du coup, la dernière fois, je crois que j'ai essayé de finir le tuto. Du coup, il fallait que je revienne vers la planque. Est-ce que j'ai un résumé des quêtes dans ce merdier? Oui. J'avais récupéré le crochet pour rejoindre la planque. Ouvre ton chemin jusqu'à la planque. Objectif secondaire, je devrais voler la relique. Ouais. Ouais. Compétences, j'ai que dalle. Et relique, j'en ai pas. Du coup, on y retourne. Bon, alors du coup, que je me rappelle. Voilà, B pour s'accroupir ou se relever. D'accord. Évidemment, quand je suis relevé, ça fait plus de bruit. Et comment ça va, Signe, depuis le temps que je t'ai pas vu? Alors là, de toute façon, c'est pratique. Je crois que j'avais fait un génocide de gardes sur mon chemin. Voilà, il y en a encore les traces. Il y en a un là et l'autre là. Alors déjà, ici, la toux est plus présente que d'habitude. Que je suis pas encore totalement remis à 100%. Ok, donc le sable, on pouvait lancer du sable pour éteindre des torches à distance. Bah, ça va, écoute. Hormis ce que j'ai dit précédemment sur ma maladie, ça va. Alors, en fait, la planque, c'est là-bas. En fait, j'essaie de refaire le chemin inverse. Est-ce que seulement je peux faire le chemin inverse ? Je ne peux pas faire le chemin inverse. C'est problématique, ça. Heureusement que j'ai tué tout le monde. J'ai pas de moyen d'escalader. Bon. Eh ben, il va falloir se débrouiller autrement. Ça m'aurait étonné aussi que je puisse passer par là où j'étais passé la première fois. Alors, du coup, comment je me démerde? Il y a du monde en bas, je crois. Ouais, il y a un garde là. C'est soucieux tout ça. Donc, pour rappel, je ne connais absolument pas le jeu. Ce jeu m'a été gracieusement offert par Gonzo. Je ne le connais absolument pas. Donc c'est du découverte à l'aveugle pur et dur. Planqué là-bas, mais comment j'y vais? Là, mais oh oh, je vous ai pas vu, vous. Je vous avais pas vu, mais alors absolument pas. Qu'est-ce que je fous ici? Ah oui, c'est là où j'étais, là, sauvegarde, oh, ok. Ouais, parce que c'était pas là que j'aurais aimé venir, en fait. Voilà. Je vais prendre cette sauvegarde-là, ce sera meilleur pour ma pomme. Voilà. Alors.
Et tu aurais pas un garde qui fait sa ronde par hasard? Non, t'as rien vu. Tu n'as rien vu. Si je descends là, c'est bon. Oh 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 oh. Ouh, c'est dangereux ça. Ouh, c'est très dangereux. Et en plus, ils sont deux. Je suis tenté de faire ça et faire une YOLO strat. Hop là! Allez, vas-y, viens me voir. D'accord, vous m'attaquez à distance. Ok. Bande de fumistes. Bande de fumistes. C'est pas glob, ça. Pas du tout. Je rentre comment, moi? Non, ça, je te fais pas dire. Et salut, MTA. Non. Je suis dans l'ombre, vous me voyez pas. On dirait les cyberdisques. Non, ça je te les laisse volontiers, MTA. Est-ce que je pourrais pas... J'ai pas assez d'ombre. Et... Si j'y vais invisible, ça peut être passé. Mais... C'est risqué. Alors déjà, on va revoir ça. Peut-être faire autre chose. Non, là-haut. Voilà. 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 Et voilà. Ok, là ils sont dead. Tu vois qu'il y a personne ici. Oh, une sauvegarde automatique. C'est cool. Ok, je suis plein en sable, c'est bon. Attends, j'entends du bruit là. Non, c'est bon. J'espère qu'ils sont pas omniscients, sinon je suis plein dans la merde. Ah oh. Il y en a un juste là. Oh oh. Est-ce que ça marche là? Est-ce que je peux... Non, j'attends. Qu'il fasse demi-tour. Pouvoir rusher. Mais... Bon, c'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Oui. Raté. Comment j'ai failli faire avoir. Oh, ce vol. Plus 65 points de compétences. Alors du coup, j'ai jamais vu cet écran. Alors par contre, j'ai pas volé à la relique, mais bon.
Emblème. Ombre, aucune alerte déclenchée. Clémence, aucun ennemi tué. Célérité, mission terminée en 18 minutes. Ouais, terminée en 2 heures. Voleur, tous les jetons ramassés. C'est pas passé très loin. Non, ça c'est sûr. Tu peux refaire, j'ai pas bien vu. Non, non, sans façon, non. Alors, les jetons, je sais pas ce que c'est. Clémence, j'aurais eu du mal à le faire sans comme ça. Et ombre, ça aurait pu passer, mais. Voilà. J'ai déclenché 6 alertes. J'ai tué 22 ennemis. Il y en a encore 68 dans la zone quand même. Hein. Il y a 5 cadavres qui ont été découverts. Et j'en ai ramassé un jeton. D'accord. Bon. Voilà. J'ai eu le succès du tuto. Enfin. J'ai envie de dire. Enfin. How long have you been hiding in the atrium? I stopped counting long ago. Long before coming here. It gives me a headache. So you weren't born near the World Tree with the elves? It's not there that they made you. No. I wasn't born in the Amber Lake. On the other hand, you could say that it was there that I died. Sort of. It goes back a long way. At the time. Don't waste our time, dog! I imagine in the cesspit where you come from, this cell could pass for an elegant lounge. So let me dispel that misunderstanding. You're not at the embassy of Akanash, and I didn't invite you here for tea and sympathy. You're in prison. And you're going to tell me, without any nonsense, how you counted on getting your hands on the heart of the tree. Then, the executioner here will take you to the laboratory and store your body in separate jars. On that point, you were right. It is here that you will die. Did I say that? Well, it's very simple. The first part of my plan was to find my bearings in your tower. And the only one who knows every corner of your hovel is the one who built it. The architect. Your old friend, Querberus. But what a great plan. What a pity Querberus mysteriously disappeared once his work was finished, isn't it? Oh, really? He disappeared? Ah, now that's unlucky, isn't it? But no matter. Because our dear Querberus did not disappear without signing his work. Apparently, he left the complete plans of the tower somewhere inside the Akanash Library. And everything is there for the one who knows how to look. So I said to myself, hey, Rakash, you're gonna move your butt, find that library, and dig us out the secret plans of the Atrium. Styx! Welcome home. I'm upstairs if you need anything. Alors, je pourrais faire un rappel de l'histoire, ce qui est tellement bordélique que même moi j'ai pas encore tout compris ce qui m'arrive en fait. Bon, alors du coup, ici je suis chez moi, donc je peux éviter de me trimballer comme ça. Parce que l'histoire de Styx, en fait, elle est pas très très claire. De ce que j'ai compris, en fait, on est dans une tour, la tour d'Akenash, qui est une tour volante. En fait, cette tour abrite un arbre qui s'appelle l'Arbre Monde. Très imaginatif comme nom, hein. Qui, en fait, a été. Alors, je sais pas s'il a été bâti par les elfes, ou un truc comme ça, ou en tout cas, il appartient aux elfes. En fait, les humains le gardent pour eux et utilisent les elfes pour essayer d'y entrer, parce qu'en fait, il y a l'ambre. L'ambre est utile pour près tout, je crois, dans ce monde. Et en fait, Styx, en fait, entend des voix dans sa tête qui lui demandent de voler le cœur de l'arbre monde, donc le cœur de l'ambre. Et en fait, il s'est fait choper. Mais en fait, il raconte cette histoire au passé. Et en fait, on vit le passé. Donc, c'est chelou. C'est ça que j'ai pas tout compris en fait. Parce qu'en fait j'ai ce sentiment bizarre en fait.
qu'il y a un truc qu'on nous dit pas. Un truc très important qu'on nous dit pas. Mais bon. Je visite un petit peu. Donc on verra ce que ça va nous mener. Mais ouais, je sais pas, j'ai cette désagréable sensation qu'il y a un truc dans l'histoire qu'on nous dit pas et qui est très important. Not a bad hideout, Ozcan. It's dripping with just enough moisture to save me from getting parched lips. This might sound strange, but can you remind me how we met? You're right. It does sound strange. You must have taken a nasty blow to the noggin. It's lucky we met, especially for you. You wanted to know some stuff. And I wanted to recover some stuff. You're good at stealing, I'm good at dealing. It didn't take long to come to an understanding. That's how it works in the bowels. Yeah, it's coming back to me, I think. Listen, I gotta get to the Akanash archives. Any idea of the best way to get there? The library, eh? I can show you the way through the sewers, yeah. But what can someone like you do in there? I know it's none of my business, right? I'm looking for a map of the Atrium. I can't always rely on the guidance of a blind old man. The plans, eh? In that case, one of my men, Hector, a copyist, could be your guide in this labyrinth. And how do I find, what's his name? The marks. I'll tell Hector and he'll leave some for you. You just have to follow them. Understood. And while we're on the subject, you know a safe way out of this tower? When I'm done here, I don't plan on hanging around longer than I have to. You want to leave the atrium? You could hop on an airship, but you'd still have to know when one is leaving. It can be months before the order is given to send one. So, who gives the orders? I don't know. It's paperwork. It's irritating, you understand? I don't like to strain the eyes, but I happen to know that all the signed orders are stored in the transport office. You could forge one to suit your plans. I'll try it. Thanks for the info. Well, I'm off. Oh, wait. If you wanted to thank me, you could maybe bring me back something from the library? Go on. I've heard that a renowned treatise on alchemy is hidden there. The kind of book that's so radical that it was placed under a glass cover. Good. If I find it, I'll bring it back for you. See you later. One last thing. You're the rough and ready type, aren't you? If I were to ask you to eliminate someone for me, would you do it? Quietly, without making waves? You're starting to ask a lot. If I do it, it better be worth it for me. Don't worry, I fully understand that my eternal gratitude will not suffice. Anyway, in the docks, should you cross the path of a laborer called Godbert, make sure he has a little accident. I didn't appreciate him. Enough with the life story. We do some business, that's fine by me. As long as you pay. See you later. Okay, donc on a beaucoup de missions pour le coup. This airship business. Then I'll go to the archives to look for the maps. Alors, je voudrais voir si toute l'histoire s'est déjà passée ou si c'est comme dans Final Fantasy X où il y a un très très long flashback et après on est dans le présent. J'ai l'impression que c'est un peu ça en fait. Ok, donc je suis full. Alors, compétences. Alors, du coup, j'ai 65 points de compétences. Alors, je peux mettre en assassinat, équipement, vision d'ambre, clonage, agilité et furtivité. Peut-être mettre dans la furtivité. Grâce à ton sixième sens, assassinat sonore, ta vertébrale, un ennemi hors de ton champ de vision s'apprête à te détecter ou si un arbre balétrier te prend pour cible. Ouais. De par ta grâce goblin, tes chutes sont moins bruyantes lorsque tu touches le sol. Tes clones peuvent s'agripper à un ennemi quelques instants. Ouais. En vision d'onde, tu pourras repérer plus facilement dans l'environnement les objets à ramasser. Pas mal.
Ah, pas mal ça non plus. Tu peux assister à une réunion et à couvert lorsque celui-ci est suffisamment proche. Alors, je vais augmenter la vision d'ambre. Ça, que me connaissant, ça non. Donc, soit je monte l'agilité. Monter ça, ce sera peut-être plus utile. Voilà. Avec ça, je dirais déjà mieux. Donc je peux rejouer les missions déjà faites. Ok, cool. Hop là. C'est parti. Donc je dois aller à la bibliothèque, faut que je ramène un bouquin pour le vieux, et que je tue un gars. Well, according to Ozcan, the transport office is at the center of the embassy. Distinguished diplomats, you will have a surprise invitee at the negotiating table. J'ai loupé le et hey, bonjour à toutes et à tous, ici SpyRH. Bah oui, tu l'as loupé. Comment ça va la malasse? Alors, il fait jour. Donc c'est une bonne chose de pouvoir voir ce que je fais. Mais c'est une bonne chose que pour se déplacer furtivement, c'est pas gagné de le faire dans l'ombre. Ok. Alors déjà, ça c'est pour quitter le niveau, d'accord. Donc l'ambassade est... Waouh, trop loin. Donc je dois m'infiltrer dans l'ambassade sans tarder. J'espère que je prends un timer. Autre que pour le timer de la mission pour avoir une médaille. Ok, il y a un ennemi là-bas. Ça va, je n'ai pas loupé grand chose. T'as juste loupé le retour vers la planque et du scénario. Ça va, c'est pas. Pas rentré là, y'a rien de. Non? Bon, ok. Ouais, donc t'as juste loupé un peu de scénario. Et la mission que je dois faire en fait. De monde, beaucoup trop de monde, et j'ai pas moyen d'aller autre part pour l'instant. Le champ qui va rebouger. Ah, il passe par là, d'accord. Lui, je sais pas comment il fait pour pas me voir, mais c'est pas grave. Il y en a un qui dort là-bas. Demi-tour. Voilà. Il y a moyen pour descendre là ou pas? Alors attends, avant de faire un truc très con. Voilà. Comme ça. Ok, je suis passé. Il manque à personne ici. Bon, il y en a un qui dort. Je vais tenter de pas le réveiller. Il y a un forgeron ici. Let's see.
Non, 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 t'as rien vu, t'as rien vu, t'as rien vu, t'as rien vu. Tu n'as rien vu. Voilà, c'est ça, tu t'es trompé. Non, pas ça. Non, pas ça non plus. Ça. Non. There is no way we can leave a bastard like that wandering around. I've got to find him. Il y a un gars là. Il y a deux gardes. Je le sens très mal. T'approche pas trop, hein. Il va me voir, ce con. Mais qu'est-ce qu'il fait à bosser là, lui? Dégage. Dégage. Je suis dans la merde. Je sais pas par où il faut que j'aille, en plus. Comment il y a de monter? Que j'ai moyen de monter quelque part. Non. Deux gardes là-bas. Comment je me sors de ce merdier? What? Oh merde. Vous avez pas vu, vous. Hop. Je suis une gargouille. Vous ne me voyez pas, je suis une statue. Comment je peux passer par cette porte? What? What? Mais que... Hop là! Ah, il m'a eu! Il m'a eu! Non, pas recommencer la mission, charger ça. Ah ouais! En même temps, j'étais un peu en pleine lumière aussi. Bon, j'avoue que. C'est pas le meilleur endroit. Alors non, parce que du coup là, j'ai trop attendu. Ah, mais. Je peux monter là-bas? What? Merde! J'ai oublié lui, tu vois. Non. Non. Voilà. Hop, 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 hop. Hop là. What? Oula putain. Où je l'avoue? Est-ce qu'il se calme? Oui. Ah, vous dites quoi de beau, vous? On peut plus imiter les gargouilles tranquille. Enfin, un garde qui n'a pas besoin de lunettes. Ouais. À mon grand regret. Alors, c'est vrai qu'il a pas pensé à regarder en bas. Ça m'arrange, hein. Du coup, pour la médaille d'alerter personne, ça va être réglé. Hein. Hey,
Du coup, il y a lui qui va revenir par ici. Avec un peu de chance, il ne verra pas comme ça. Il faudra que je m'occupe de l'autre. Donc tant pis, on va tuer des gens, hein, mais... Il va me voir, ce con. Non, c'est bon. Il ne me voit pas. Il est trop stupide pour ça. Je fais le tour. Hop! Ta bouche! Voilà! Ça c'est fait! Parce qu'en fait, je suis sûr qu'il y a un succès pour avoir toutes les médailles du jeu. Tous les petits trucs qu'on a en fin de mission. Et je sais que mon âme de joueur veut que je chasse tous les succès d'un jeu auquel je joue. Mais je sens que ça va être chiant, donc je ferai ça en off à la fin du jeu. Là, je vais me contenter d'essayer de progresser dans le scénar. Toc. Et hop là! Voilà! Ça en fait deux en moins. Voilà. Je te pose à côté du pot, ce sera très bien. Du coup. Pas un truc là, caché dans l'ombre? Non. En fait, ce que j'ai fait n'a servi à rien. Comment j'accède à l'ambassade, moi? De justesse. Ah ah ah. Ah voilà. Comme dans Sonic, le chemin le plus court est toujours celui au-dessus. Les gardes qui sortent de nulle part. Oh putain, il y en a deux. C'est barré? Non. Merde! Voilà, caché. Ne descendez pas les escaliers. Restez au-dessus. Ok, c'est bon. Ils m'ont pas vu. Enfin, si, ils m'ont vu, mais... Alors, attends. Putain, mais vous êtes trop lourd, hein. Vous allez être lourd, vous, en fait. Alors, moi, que je m'approche, c'est que j'y aille invisible. Pile de sac, il n'est forcément pas derrière, repartons. C'est ça. C'est ça. Heureusement que l'IA est un chouïa-con, hein, facile à leurrer. Sinon, s'ils avaient l'intelligence de vrais gardes, ce serait horrible. Voilà, donc, du coup, on va attendre qu'ils soient là-haut. Et du coup, hop. What's going on over there? What was that noise? Oh shit, this one's for me. Non. Hop là. Hop là. Ne réfléchis pas, sinon tu ne passeras jamais officier. Bon. C'est pas gagné, hein. Alors du coup, j'en profitais pour regarder un peu. Ça, c'est haut. Pas un moyen d'escalader là? Non, que dalle.
Parce qu'il y a deux gardes en bas là en fait, donc ça me dit pas de tomber en fait. Qu'est-ce que c'est que cette map? Putain! L'ambassade elle est là en plus. Mais ça me plaît pas de rusher avec les deux gardes qu'il y a. J'ai glissé. Non, je pensais que je pouvais mettre sur leur bord en fait. Ah, mais je reprends là. Flûte. Non. C'est trop lourd, les gars. C'est trop lourd. Bon, mais avoir peut-être un autre chemin, je pense. Plus. Mieux que celui-là. La peau de banane, le pire et piège anti-intrusion qui soit. C'est vrai que pourquoi se faire chier à faire des détecteurs de mouvement, des lasers? Une banane, ça suffit très bien. Ouais, il me verra, mais rien à foutre. C'est pour savoir où je veux aller après. Je suis perplexe. C'est pas bassin d'aller par là, mais c'est un chouïa cul-de-sac. C'est un chouïa cul-de-sac. Là ils m'ont pas vu, ça va, j'ai réussi à gérer mon coup. Mais du coup en fait là c'est trop haut pour que je tombe. Il n'y a pas de... Ah si, j'ai une prise là. J'ai une prise. Hop. Hop. Hein? Oh! Godbert! Il dit qu'il faut que j'assassine. Bonjour, perplexe, je suis la malasse. Ta gueule! Juste ta gueule! Oh putain! Fais pas les vannes que Yotol pourrait faire. Bon, alors en fait là, je suis derrière la porte que je voulais passer tout à l'heure. C'est bien. Sauf que j'ai beaucoup trop de monde. Que j'ai des couteaux de lancer. Oui. Here we go. Hop là. Make her less. I just have to get rid of the body. Do I throw it in the vacuum or do I put it in the closet? Voilà. Bon, maintenant que lui c'est fait, il y a pas dans le coffre. Oh, le garde qui est pas du tout alerte quoi. Est-ce qu'il dégage loin ou pas? Oui. Ouais. Au revoir. Bon, maintenant qu'il y en a un qui a pris un volet. Au sens oiseau du terme. Oh, bah quoi de Berra, ça m'a encore trop bu, voilà Popo et J dans ce qui semble être du sang. Ouais, c'est pas grave, c'est un alcoolique, toi. Puis comme notre boss l'aimait pas. Alors, je viens, c'est j'ai vers l'ambassade et j'ai ambassade. Viens, les gars. Viens. Plus à deux endroits bien distincts, bien. Je suppose qu'une entrée officielle, une entrée officieuse. Du coup. En fait, les missions de jour, c'est pas les.
les plus sympas. Hein. Oh, le monde qu'il y a. Oh! Si c'est ça les dirigeables, c'est cool. Oh, mais il y a trop de monde ici. D'où vient tant que décédé n'est pas mortel. Le problème, c'est qu'il y a un gars qui fait sa ronde. Il y a un qui dort. Le rythme est synchro, je dois pouvoir me faufiler comme ça. Hein, il s'est réveillé, ce con. Charmant. C'est charmant. Ce qu'on vient de voir était très charmant. Ok, puis il repart au pied. Marc, ça m'arrange. C'est pareil lui en plus, non? Timing est chaud. Ou je pense qu'il faut que j'aille dès qu'il a tourné les yeux. Il s'appelle Mannequin. Joli. J'aime bien celle-là. Joli. Du coup, il est belge. Du coup, on est en Belgique. Même pas besoin d'être invisible. Ah. Putain, mais ça grouille de garde ici. Là, ça m'aidera sûrement pour la suite. Me dit, je suppose qu'il y a encore des... Il n'y a pas de garde là. Oh. Ah, il y en a un là. En tout cas, il est pas proche du but. Oh, il bouge. Il y en a trois ici. Plus un qui fait sa ronde. Sachant que faut que j'aille sûrement au-dessus. Il fait ça en loin en plus. Y'a personne là, ok. Floc. Ah si. Non, c'était pas. Bon, moi j'avais plus d'ambre. Voilà. J'éteins ça. Ouf. Je peux passer au-dessus de toi sans que tu me vois. Oui, sauvegarde compulsive, je sais, mais quand même. Ces grues de garde ici, c'est quand même pas incroyable qu'il y ait des gardes pour garder ce fort. Ouais, mais autant. Je sais qu'on est en plein jour. Quand même. Ok, donc je passe les marches, mais il me voit pas. Cool. Bon, lui, il dort, donc si je fais comme ça, je le réveillerai pas. Hop. Hop. Donc. Ce trash talk. Ce trash talk, j'adore. Du coup, voilà, montez. Montez, braves gens. Voilà, là, je suis peinard. Touf. C'est con de mettre des torches en plein jour, quand même. Ah, ah. Non.
Il redescend? Ah oui, il redescend. Je suis meilleur à cache-cache. Non. J'avais dit que j'étais le meilleur. Non. J'ai eu chaud là pour le coup. J'ai eu très chaud. Faut mettre des lumières en plein jour comme la lumière du frigo. Ouais, mais c'est pas pareil. Voilà, remonte de, les escaliers. On se croirait dans un Tom et Jerry. Ouais, enfin, version plus glauque quand même, hein. Je peux voir un bonhomme là-bas. Hey, il y a un gars là-bas, je peux arriver. Bon, on va y aller comme ça, hein, pas besoin de sauvegarder tout le temps. Mais Jerry ne meurt pas. Ouais. Ça dépend de la version de Tom et Jerry. Lui, eux deux, ils sont là-bas. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, je suis pas là, je suis pas là, je suis pas là. Donc s'il voit une lumière s'éteindre loin, il les voit quand même. Ok. Bon, du coup, j'ai réussi à le faire bouger. Ah, par contre, là, je vais sauvegarder, parce que là, je le sens mal. Voilà, toi là par là. Hop. Il y a qu'un seul garde a priori. Mais il dort. C'est tout bénef. Ah, il dort plus. Il ne dort plus. Est-ce qu'il travaille juste pour dégourdir les jambes pour tomber dormir après ou... Ou tu fais une petite ronde dans ta petite salle. Ok. Allez, vite pendant qu'il dort. Merde! Bon bah... Je peux le parade, mais... Vu tous les gardes qui arrivent derrière, c'est même pas la peine d'y penser. Et donc en fait, il faut que j'y aille pile quand il commence à s'endormir. Non, 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 là haut, là, haut. Hop. Ok, donc là il s'est réveillé. Le problème c'est que je peux pas aller ouvrir la porte à côté de lui. Oh, et puis merde. Hein? D'accord. Je ne peux pas l'assassiner, lui. Ou alors, c'est que les autres, ils m'ont vu par la porte. Ça peut être ça, je pense. Mais pourquoi tu me... Voilà. Pourquoi tu me l'avais fait tout à l'heure et là, tu veux plus?
Meilleure infiltration. Bah ouais, toujours. Bah on va attendre, hein. Pas le choix. C'est pas ça que je voulais faire, mais le résultat est le même. On va bien calculer le timing. Voilà, va contre l'armoire. Et maintenant. Voilà. Ouf. Eh ben. The transport office shouldn't be far. If I can get away on an airship, I'm grabbing it. Alors du coup, en plus de la sauvegarde automatique, je vais faire ma propre sauvegarde. Voilà. On est au deuxième secteur sur les quatre de ce niveau. La porte grince. Ne porte pas la poisse. Puis elle a pas grincé. Il y a la salle des coffres. Si c'est indiqué, il doit y avoir un truc à looter quelque part. Vu que bon, on est un voleur, de base. Ouais, par une seule de vie, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Puis la salle, je peux pas y accéder comme ça. Bon. Pour l'instant, on va laisser ça tranquille. Du coup. Oh putain. Ouais. Pas sûr que cette celle-là elle me sert à grand chose. Ils ont pas l'air très fut-fut. Oh là là. Je suis censé être un gars de long, mais je suis en plein jour. I've heard if you pay the price, some airship captains let you aboard into the hold, so you can get the hell out of here. Tiens donc. Intéressant ça. Alors attends, on se faisait quand même vachement chier à cette époque à tourner en rond comme ça. Comment vendre le métier de garde, franchement? Ouais. Alors vous, vous tuez le piège à plein nez. Mais tellement. Dans certains cas, la méthode directe n'est pas la meilleure solution pour débarrasser des gardes et tout état peut emprisonner les corbeilles de fruits ou les poches à eau des gardes afin de les aider en toute discrétion. Bien que très efficace, l'effet du poison ne se rend pas instantané. Ouais.
Devrait pas mettre un paramètre qui met le nom d'Oscar dans les jeux. Non. Non. Voilà, il y a deux personnes qui lavent. Si je passe, vous ne voyez pas. Oh là là. Allez, voilà. Alors, est-ce que ça me sert à quelque chose de venir par ici? Au-dessus de la salle où j'étais. Chose là, non? Ils vont cacher? D'accord. Ah, tu dors pas, toi? Tu ne dors pas. J'ai tenté un truc, tiens. Non, je peux pas pour l'instant. Oh shit, this one's for me. Merde. Don't lose sight of it. Where are you hiding, you nasty piece of work? Il n'y a pas ici, non? Je vais l'attirer pour l'assassiner, mais bon. Au moins, je l'ai eu de dos. L'autre gars là-bas, il continue de nettoyer, peinard. Il s'en fout. On regarde là qui se balade. Ah, il y en a deux. Qu'est-ce que tu faisais sous la table, toi? Non, je veux pas le savoir. Recule, toi. Il est où l'autre? Là-bas. Ok, ils ont tous fait demi-tour. Hop. Lui, il dort. Pas de problème. Ok, donc les horaires du dirigeable, elles sont là. I can't wait till they change guard. On m'a ordonné de garder cette zone, mais je devrais m'arrêter pile avant l'escalier. Ouais, c'est un peu le principe des gardes de ce jeu, en fait. Ah, il y en a un deuxième là, j'avais pas vu lui. Ah, c'est plus compliqué que prévu. Mais. Assassiner les deux à tour de rôle, hein, tant pis. Je pourrais faire le troll et faire un truc marrant, tiens. À tester un truc. Juste pour le lol. Ah, je peux pas? Oh, je voulais le balancer par-dessus le... Bon, du coup, toi... Tu vas être... chiant. Voilà, va voir ton copain. Voilà.
Voilà. Faites dodo côte à côte. What? I'm sure I heard something. Ah, il y a quelqu'un. D'accord. J'ai bon, ok. The library isn't very far. See if I can get there without a pack of rabid dogs in my ass. Bibliothèque est en bas. C'est toujours la salle des coffres à visiter. Je sais pas comment j'y vais. Tant pis. Oh. Les déjà sont classe. Oh la vache, c'est beau. Pas à dire. Le jeu est beau. Peut-être pas sur le stream vu ma connexion, mais le jeu est beau. Oui, toi. Les gens derrière que ça arriverait, non. Alors, les gardes, il y en a un là, il y en a un ici, et j'en entends un autre. Sachant que la Bible est en bas. What? Comment il m'a... Ah, j'ai mis tour. Il disait aussi... Oh là, ok. Alors que je tue lui avant. Oh oh. Quoique y'a. Garde, j'en ai vu un autre. J'ai vu un autre garde. Bonne après-midi. Allez, viens. Oh putain, il y a l'autre garde qui est là-bas. Est-ce que je peux ouvrir la porte sans me faire choper? Non, là, pas tout de suite. Oh no, here we go again.
Mais... espèce d'abruti. Alors du coup... toi... tu es... chiant. Voilà. Hop là. Non, je suis pas là. Allez, secteur suivant. Ouh, on va y arriver. Ah oui, je pense pas à aller fouiller les... l'astuce que me donne le jeu, je pense pas à fouiller les ennemis. Let's go through the archives. According to Ozcan, I'm supposed to look for a mark made by Hector the fucking copyist. In other words, a forger. I don't believe the old guy is dealing in stolen love poems. They always give the crossbow to the puniest, but also to the nastiest. I better be careful if I don't want to get stuck. Ces maudits arbitriers sont une véritable plaie, impossible de s'enfuir tant qu'on reste. Bah ouais, mais si j'ai pas le temps de lire aussi. Il y a quoi ici? Rien à voler, a priori. Il y a Hector là-bas. Enfin, c'est vers Hector. On va vite faire un truc. Ouais. Ah, un monster. D'accord. Je suis gamer parce que je me suis fait repérer. Ok. Salut Majin. Bon, alors. Un garde là. A priori non. Non, juste ici. Je vous rappelle tout droit en fait, c'était beaucoup plus rapide. Ah, là ça commence à se compliquer. Ok, j'ai deux gardes. Alors, je passe autre part. Donc revenir à mon point de départ. Très pratique. J'ai pas des marques d'ombre là. Je croyais que Hector devait m'en laisser. Non, bah j'ai rien. Sympa Hector. Sympa. What? Lui, je l'avais littéralement pas vu. Il m'a vu avant que j'ai le temps de le voir.
Putain, mais ils sont partout, ces crottes, pour être poli. Je suis obligé de passer au-dessus. Bon, du coup, lui il est là. J'étais interdit de mourir pendant que je mets à manger dans le micro-ondes, je n'ai rien vu. Bon, je suis pas tu pas mort. J'ai été vu. J'ai un game over parce que j'ai été vu. Ah, c'est bibliothécaire de crotte. Là, tu restes retourné. Non, où tu vas? Oh, remarque, si tu vas là, ça m'arrange. What? C'est quoi cette... Ah, il disait aussi. What? C'était chaud. D'accord, c'était ça les jetons. Ah ouais, donc ils sont vraiment pas visibles en fait. J'ai une idée, mais elle est risquée. Non, ça va, c'est passé. Je sais pas quand ils ont pas vu, mais c'est passé. J'ai plus de d'ambre. Bon. Là, par contre, je pense que l'invisibilité va être nécessaire. Donc, non, non. Si ça se gardait, c'est bon. Ah mais j'en ai deux maintenant. Bon bah du coup, toi, dégage. Hop, voilà. Voilà. Je suis pas sûr qu'en fait ça m'avance à grand chose d'avoir fait ça. Viens ici, toi. Hop. Oui, il était bugué pendant un temps, c'était marrant. Génial, est-ce que ces gens, ces humains, ont du sang auto-nettoyant? C'est cool. Non. You don't see me. Voilà. Hector est par là. Hop. Hop là, je ramasse ça. C'est bien ce que Oscar m'a dit qu'Hector m'avait laissé des marques. J'ai que dalle. Is anyone there?
Tactiquement, toi, j'ai pas envie de... j'ai pas à te tuer. Final, peut-être que je dois en tuer un des deux. I could have sworn. Non. Bonjour. Où il va lui. Ok, là-dedans. Ah, c'est une bougie qui sont sur la tête. C'est... ouais. Même si techniquement toi t'es pas un gen, désolé. J'ai besoin de ouvrir la porte. Et de sauvegarder. Oula. Des boules de sable, j'ai plus d'ombre. Une fiole de vie sur le étagère là-bas. Hop là. Il est où l'autre? Là. Ok. Comment je vais vers Hector? Il dit qu'il est sous moi en fait. Ah, je crois que je pouvais lui voler un truc, tiens. Ouais, bon là c'était... ouais. Là c'était foutu. Je crois que j'ai vu l'icône voler. Peut-être pouvoir essayer de lui choper un truc. Dès que j'ai pris un couteau de lancer. Bon, du coup ça l'a alerté mais... Nobody. En fait je suis con, j'aurais pu voler les couteaux de lancer, je peux lui voler une fois qu'ils sont morts. It's okay. It was nothing. D'où le deuxième. Là. Ok. Voilà, il y en a un qui va là-dedans avant que le bibliothécaire me voie. T'es là. J'ai l'impression d'être un tueur en série de sang-froid, mais j'ai pas envie de me faire repérer 50 millions de fois. Bon. Que j'approche enfin d'Hector.
c'était chaud. Bon, j'ai empoisonné la nourriture, du coup, avec un peu de chance, je vais pouvoir tester un truc. Parce que là-bas, ils sont deux côte à côte, c'est impossible. Reste guidé par des instincts meurtriers. Peut-être pas, non. Peut-être pas. Bon, tu bouges, voilà. Est-ce que tu manges un truc? J'attends que je l'ai empoisonné. Allez, fais pas ta pute. Il y a un truc qui brille sur le banc. Ah, t'es pas cool. Tu viens dans les yeux, il te verra plus. Non, ça marche que dans les dessins animés, ça. Là, j'ai deux couteaux de lancer, c'est vrai utile. Pas pour l'instant. Bon bah. Ah bah moi je peux y descendre comme ça, voilà. Donc. J'ai pas vu qu'il y avait un escalier en fait. Il y a un garde qui dort et un garde qui ne dort pas. Donc un qui vient dans ma direction. Pas vraiment un garde d'ailleurs en fait. Ok. Oh, il faut que j'aille. Ah, je crois que j'ai réussi à tuer un garde avec le poison. Ah, il m'a vu. Là, tu ne verras plus. Retourne-toi, toi. Good. Let's get back to work. Voilà. Du coup, toi, tu me stresses. Voilà, comme ça, ça les occupe suffisamment pour que je puisse passer. Oh, du sable. Cool. Oh. Il est mort, lui? Ah, c'est celui que j'ai empoisonné. Je sais tellement pas où je dois aller en fait. Et tellement pas. Pourquoi ça me servait de...
On va descendre du coup. Quelqu'un qui m'a vu, je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas où plutôt. Je me rapproche d'Hector, je recule, je me rapproche. Ok. Hector est là. Tu vas où toi? Toi Hector? Non, c'est pas toi. Où es-tu, Hector? Why have they hidden this book away at the end of the corridor? Strange. You can't even have a look. It's done on purpose, you gullible bastard. There are books like that. Mustn't read what's written inside. It's full of curses. It's something that will give you horns on your ass or peeling balls. Seriously? Well, better not stay here. Voilà. Je crois que c'est le livre qu'Oscan voulait. Bon, ça c'est fait. Mais ça ne dit toujours pas où se trouve Hector. Enfin, c'est une fenêtre. Je suis sûr qu'il était en haut. Là où j'étais tout à l'heure. Donc faut juste que je trouve un moyen de remonter. Pas un garde là? Non, c'est beau. Est-ce qu'il est long garde? Il est monté. Il est revenu à son poste. Il est revenu à son poste. Bon, toi, tu vas me stresser à mort. Allez, pose-toi là. Ouh là là. On va éteindre ça. Ok, donc lui il fait le tour. Marc, j'ai bien fait de faire ce détour. Vu que j'ai trouvé le livre que Scan voulait. T'as trop posé ta main à la tête, toi. Toi, sans poser quand t'en vas à la tête.
Bon. Tard est censé être derrière. Pas loin. Que si j'essaie de monter. Sauf les hauteurs. Let's see where it came from. J'ai fait une connerie. No, nothing. Ok. Ah, a monster! Merde. Salut Kratos. Pas trop mal et toi? Passe par où, mon gars? Allez hop, touc. Bah, je ne suis pas planqué sous ses yeux vu qu'il n'a pas vu. Vu qu'on ne peut pas se planquer sous une table si la personne nous voit. Ce qui est logique, d'une certaine manière. Mais non, mais t'inquiète pas, des game over, j'en ai souvent. J'ai un très mauvais gobelin infiltrateur. du coup, je vais récupérer le couteau de lancer qui était au-dessus. Ah, mais je... Il y a un truc à décrocher, là, mon chuteur, hein. Pouvoir faire quelque chose de sympa. Et rentre sans bouger une chaise, cette fois. Hop. Allez, toi. Voilà. Le titre du chapitre qui s'affichait, oui, bien sûr. Hector est là-bas. D'accord. Hop. C'est lui, Hector. Bien vrai, ça, c'est pas une arnaque. Ah non, c'est bon. So you're Hector? Thought you'd be taller. We got an appointment. Oh, damn, you're... Shit. I didn't expect... Sorry. Yes, it's me, Hector. Yeah, nice to meet you too, Shorty. I was told that you could help me find the maps of the Atrium. Indeed, yes. Before I take you there, you should take a look at this scale model. You see, Querberus, the architect of this damned tower, built in mechanisms as weird as himself. And it seems as though this model has something to do with the plans. Let's take a look. What are these inscriptions? Come on, come on. I'll guide you as far as possible. Above all, don't get too close to me. I don't fancy being killed. Alors, j'ai confondu sur que Spy n'a jamais de mauvais. Ouh là, tu t'avances sur un terrain miné, mon grand. Ça va être. Je sens que cette partie va être chiante. Alors, chiante. Voilà, dégage. My eyes are burning. C'est
J'espère juste que tu ne tires pas dans un piège, espèce de gars que je pensais être un vieux bonhomme. C'est vrai, pourtant j'ai pas encore perdu de game avec toi sur MDU. Ouais, mais MDU c'est différent aussi. C'est différent de Styx. Oh putain. Marche plus vite. Que j'ai plus vite que toi debout et moi accroupi, alors marche plus vite. Ok, donc là il a ouvert la porte que j'ai vue tout à l'heure. C'est ça. Là il y a une fiole d'acide. Somebody up there. And I have no right to be in this area. Make sure he doesn't get in the way if you want me to open the door. A simple diversion should suffice. But if you were to kill them, do away with the bodies using these vials. Acid? Really? Is that part of a librarian's pencil box? Marquons pas surtout. Alors la cible c'est lui et faut du coup au lustre. D'accord. Ok. Ils font très Assassin's Creed, je trouve, les gars comme ça. Making the chandelier fall should be a good diversion. Maybe I can throw a knife at it. Voilà, hop. Ah, je crois que c'était... Je crois que c'était Hector qui descendait. Zut. Est-ce que je peux... Comme ça, sans me faire repérer. Oui. Ah, non. Me suis fait repérer. D'accord. Bon, bah, comme ça, c'est clair. Désolé. Making the chandelier fall should be a good diversion. Maybe I can throw a knife at it. What's that noise? Ah oui, mais j'ai plus d'ambre. Ça, je pense que ça marchait pas. Ouais, mais du coup, je me cache comment, lui? Parce que c'est bien de faire tomber le lustre, mais après... Making the chandelier fall should be a good diversion. Maybe I can throw a knife at it. Ah bah oui, je me cachais là-dedans du coup, oui. Hop. Là, il y a l'autre garde qui sera plus petit. Bon, Hector a bougé.
Non, c'est moi qui bouge vers lui. Je suis con. Mais du coup, je fais quoi, moi, après? Faut que j'entende les parler, oh, Hector, ou... Sympa, le tableau. Ah oui. Ça rappelle l'acte de Benzaï sur Harry Potter, c'est genre de passer à la bibliothèque. J'ai pas, je rappelle pas Benzaï. J'aime pas trop le gars. Du coup, là, il va ouvrir cette porte-là. Allez, active-toi. There we go. The room with the plans isn't far. I stop here. I don't want to be there if you start fiddling with stuff left by Querberus. Thank you for bringing me this far. Excuse me, but what are you? Well, I mean, I never had dealings with something with someone who looks like you. Well, there ain't anyone who looks like me. That's why your mother liked me so much. Now fuck off. I got work to do. Allez, comme l'a dit Styx, retourne au boulot. Nous aussi. Ah, la salle des plans est là-bas. Y'a rien à choper, ok. Non, attends, y'a rien. Ah! Et du coup, le mécanisme pour l'activer, il est où? Ah ah, c'est j'ai fait le con. It's okay. It was nothing. No, there's nobody. Eh non, bon, ça se passe, je suis qu'un clone. Comment je t'ouvre, porte? Non. Mhm. Bizarre. Ah, je vous fais un succès. Je sais pas pourquoi. Je veux bien que le clown peut le traverser, mais... Ça m'avance à quoi après? Voilà, voilà. J'ai juste de faire ça. Ah bah oui, non. J'ai compris. Non, je crois qu'en fait le succès c'est parce que j'ai détruit le clone au bout de sa vie. Parce que je l'ai laissé aller au bout de sa vie.
fait, c'était un jeu de vase communicant. D'accord. Bon. Alors. J'ai encore mes deux couteaux de lancer. Il y a son pote qui est mort, mais il s'en fout royalement. Hop là. Ah. Ok. D'accord. Ah ok, c'est comme ça maintenant. D'accord. D'accord, 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 d'accord. Ça se joue comme ça maintenant. Ok. Donc soit j'y vais discret, soit je supprime mes traces. En fait, je pense qu'en fait, à partir de là où je suis, je ne peux plus laisser de corps traîner. Comme l'avait dit Hector. Et j'ai cru voir un truc dans cette salle. Plus que j'arrive à la verrouiller en paix. Est-ce que je vais réussir à la... Non, c'est pas ça que je vais faire. C'est ça. Allez, pourvu que ça marche. Non, mais non, ouvre. Non, regarde pas, ouvre. Voilà. Ah non, je pensais que c'était une armoire, mais en fait, non. Je pensais que je pouvais cacher les corps là-dedans, mais. Comme j'ai plus de fioles d'ambre, plus des fioles d'acide. Ah, mon couteau de lancer là. Je peux peut-être. Attendre que lui, il dégage. Ah, j'ai une idée. Merde! Je me suis fait remarquer. Donc en fait, lui, il fait une ronde bizarre, lui, quand même. Ah, puis la porte, elle est plus activée, bah oui. Ouais, donc en vrai, il faut que je me débarrasse des deux. Ou alors, je passe, quoi qu'il me voit pas. Attends, je ne vois plus l'autre garde. Il dit pas qu'il est en train de faire le tour. Oh merde, si. Oui, c'est bon. Je suis passé. C'est chaud, mais je suis passé.
personne. Non, ça a l'air d'aller. Discrète comme entrée. Encore ce type. Je suppose que c'est l'architecte, ça fait deux fois qu'on le voit. Ça, c'est l'endroit où on est. Ah, tiens. The maps. The maps. They gotta be around here somewhere. How do I find these damn maps? Where are you hidden, Querberus? Je vois personne, ça m'inquiète. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je crois avoir compris. Non. Ouais, faut que tu aies les quatre dans l'ordre. On va avoir un truc pour savoir l'ordre, mais bon. Moi j'y vais au pif. Ça marche. Ouh! Really went all out. Kind of a bitch to get him out of here, though. Then again, that never stopped me before. Shit. There's a shortcut here that leads right to my hideout. Son of a bitch. Anyway, I better get back and study these maps more closely. Soon I'll know the atrium with the back of my knee. Hand. Ah, pourquoi il parle de la planque et là j'ai un truc sur l'incinérateur. C'est sympa les plans sur les murs, c'est... sympa. Y a pas un garde, pas un rat, pas un chat. Ah ouais! Ça c'est... ouais, d'accord. Si, y'a un chat. Je parlais pas de toi. Should be able to get back to the hideout. Mouais, mais ça me semble. You bunch of ruffians. By order of the boss, there is a new rule that you better respect. From now on, you have to talk nice to the root suckers. No name calling, no friendly little slap behind the head, even if they deserve it. You're gonna have to watch your step. Otherwise, it's a court-martial, and all that goes with it. For those in the eye quarters, there will be less potatoes for dinner. But for us, it will be jail for sure. So get that into your skulls. Une fiole de vie, là. Je suis full, donc à la rigueur, c'est pas très grave. Lâchez. Toc.
Ouh là là. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Je remonte comment? Bon bah. Combat time. Merde. Non. Je pensais que je pouvais remonter, je pensais pas que je pouvais pas remonter. Bon, alors, comme je sens que aller à la planque va être long, et quand je vois l'heure, je me dis qu'il était temps que je m'arrête. Du coup, c'était SpyRage pour Let's Play France. Merci de m'avoir suivi. La suite sur LPFR, justement, c'est MTABOKA dans quelques minutes. Quant à moi, je vous retrouve samedi pour du Pokémon Colosseum. D'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine!